Hello ma petite femme, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de Noël, enfin. Du coup ça va être ma wishlist et je suis désolée si ça résonne un peu dans cette vidéo, si le son est différent. Je trouvais ça quand même beaucoup plus cool de faire ma wishlist de Noël à côté de mon sapin. C'est dans le thème, c'est des good vibes et je trouvais ça cool. Donc je suis désolée si ça résonne un peu, mais bon, je pense que de voir le sapin c'est quand même beaucoup plus cool encore une fois. Du coup je vous ai noté des petites idées que j'aimerais beaucoup avoir pour Noël ou pour toute autre occasion, c'est des choses que j'aimerais beaucoup avoir. Donc je fais cette vidéo dans le but, non pas d'avoir toutes ces choses à Noël, vous imaginez bien. Donc je fais cette vidéo tout simplement pour vous inspirer vous, si vous ne savez pas quoi demander à Noël, si vous avez complètement un trou de mémoire ou que vous n'avez pas d'idées, vous avez besoin d'inspiration. Peut-être que ça pourra vous aider, ou alors pour des idées cadeaux pour vos proches, copines, amis, famille ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est cool ce genre de vidéo, c'est des bonnes ondes et puis ça donne des idées. Donc what else, j'ai envie de dire. Alors la première chose que j'ai mise sur mon carnet, ce sont des cuissardes rouges. Vous savez que les cuissardes c'est ma vie, j'en mets tout le temps en ce moment, surtout cette saison, c'est un truc de fou. Et en ce moment, red is my new black, j'ai envie de vous dire, comme je vous ai dit sur Instagram, et j'adore le rouge. Donc j'aimerais bien trouver des cuissardes rouges avec un talon un peu carré. Mais j'ai pas encore spécialement trouvé la paire de cuissardes rouges qui me plaisait, j'en ai trouvé quelques-unes que je vous mettrai ici. Donc si vous avez repéré une paire de cuissardes rouges avec un talon pas trop haut et surtout carré, pas aiguille, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir et j'aimerais trop trouver ce genre de bottes parce que j'aime trop. Je pense que vous le savez aussi, j'ai un truc avec les Vans en ce moment, depuis que j'ai découvert cette paire de chaussures, je les aime trop, je les trouve belles et confort en plus, donc c'est vraiment ma vie. Cette paire de Vans beige que je louche dessus sur Asos depuis un petit moment, mais elle est toujours en rupture de stock. Donc s'il vous plaît, si elle revient, laissez-moi une paire en 37, s'il vous plaît. Franchement, dès qu'elle revient sur un site internet, je la commande direct, elle est sublime. Donc par contre, c'est une matière suède, donc un peu d'un, qui je trouve, c'est encore plus sublime que des classiques. Mais attention, parce que pour l'hiver, c'est une matière qui s'abîme pas mal avec une couleur claire, mais je les aime tellement, tellement, il me le faut ces chaussures, donc il fallait absolument que je vous les partage. J'ai repéré également une chaise transparente que j'aimerais beaucoup, soit pour mon bureau, soit pour ma coiffeuse. C'est une chaise transparente style vert en fait, qui est juste sublime, qui est hyper design, et on met une espèce de fausse fourrure par-dessus ou un beau plaid blanc par-dessus. C'est canonissime, c'est hyper confortable, et je trouve que quand on a une petite pièce, ça l'écrase pas vu que c'est transparent. Ça, vous voyez, ça donne du relief à la pièce parce qu'on voit qu'il y a une chaise, hein. Mais pour autant, ça va pas écraser la pièce vu que c'est transparent. Voilà, ça fait pas un bloc et je trouve ça magnifique, et particulièrement avec une moumoute par-dessus. Ce que j'aimerais trop, 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 mais je pense que c'est impossible à moins qu'elle revienne en stock. Mais quoique, c'est possible parce qu'en ce moment, cette collection, il la recharge un petit peu. Il la restock plutôt, c'est mieux. Donc c'est la veste en jean de Carly by Bay avec Misguided. Je la trouve trop belle. Attention, elle est très extravagante, je crois qu'elle est large. Elle a des strass, elle a des légers trous, mais elle est juste magnifique. Par contre, elle coûte une petite blinde. Mais comme il y a toujours des codes promo sur Misguided, vous pouvez facilement l'avoir à moitié prix. Donc moi, c'est juste parce qu'elle n'est plus en stock, sinon je l'aurais prise bien sûr. Mais je l'aime trop. Franchement, elle est trop belle. Par exemple, avec un t-shirt blanc comme ça, avec ce genre de petit collier là, d'ailleurs, tic. C'est juste une beauté cette veste. Je sais pas si vous l'avez vue ou pas, mais la collection de Carly by Bay est juste trop belle. Mais cette veste encore plus. Et je vois vraiment comment l'associer, elle est juste sublime. Ce que j'aimerais beaucoup également, ce sont des bérets. En ce moment, j'ai un truc avec les bérets, je trouve ça magnifique. Donc il y en a deux particulièrement qui m'intéressent beaucoup. C'est le genre, tout d'abord, de béret un peu casquette comme celui-ci, qui fait vraiment plus casquette que béret, ce que vous allez voir le deuxième modèle. Donc vraiment avec une petite langue ou une languette qui dépasse ici, assez rigide et assez dure, mais qui donne tout de suite une carrure, une prestance et un truc trop chic. Et en ce moment, il y a beaucoup d'américaines qui ont sorti cette tendance béret que moi je ne connaissais pas, franchement. J'avais jamais spécialement fait attention au béret et j'en ai vu une sur une youtubeuse américaine que j'aime beaucoup. Et du coup, je m'y suis intéressée et j'ai trouvé ces deux modèles-là qui me plaisent énormément. Donc celui-ci d'abord et un autre beaucoup plus simple qui, celui-ci, vous pouvez le trouver quasiment partout. C'est le béret classique tout simple avec le tout petit truc au-dessus là qui est hyper simple, qui coûte pas cher du tout. Je crois que quasiment c'est tout le temps moins de 10€ ce genre de béret. Mais c'est vrai que j'aimerais bien ces deux-là, ils me plaisent beaucoup. Ensuite, j'aimerais vraiment beaucoup craquer, comme je l'ai fait il y a 2-3 ans peut-être, j'avais eu pour ma fête un kit de pinceau Zoeva par mon chéri. Il me l'avait offert, les rose gold je crois, pour les yeux, et j'aimerais vraiment beaucoup de nouveaux pinceaux. Parce que c'est vrai que je me maquille tout le temps, tous les jours, et que j'aime bien avoir de nouveaux pinceaux. Il y a des trucs qui sortent de plus en plus techniques, qui nous permettent de faciliter notre make-up. Et c'est vrai que j'ai un truc avec les pinceaux, j'adore. Limite, je fais collection des pinceaux, il y a vraiment des kits magnifiques sur Zoeva.
Il y en a deux ou trois qui me font loucher mais qui coûtent très très cher aussi, donc c'est pour ça, pourquoi pas demander pour Noël comme celui-ci qui est... Je sais pas si je vous les mets là ou pas les photos, je sais pas trop. Qui sont hyper complets, juste magnifiques, je pense que c'est un très très beau cadeau de Noël pour les make-up addicts et ça me plairait beaucoup. Je suis une grande malade des pyjamas, j'aime énormément et tous les ans Etam ils nous font des pyjamas juste sublimissimes et c'est vrai que ceux de Noël me plaisent beaucoup. Avec beaucoup de moumoutes, beaucoup de... Ils sont colorés, ils sont doux, ils sont chauds. Ils me plairaient beaucoup. Pourquoi pas l'ensemble avec la veste, le pyjama et les chaussons. C'est vraiment super cool. Et pourquoi pas les chaussettes en plus. Tout ce que je vous parle, je vais essayer de vous retrouver des liens en barre d'infos. Et je vais essayer vraiment de vous mettre le plus de liens possible, de choses si jamais... Ah, j'ai des fourmis dans les pieds. Ah là 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 là. En fait, je suis assise sur mon pied depuis tout à l'heure pour me grandir un peu, alors que j'ai juste à régler le trépied. Et du coup, j'ai des fourmis. Bon, et puis je pense que vous me connaissez, j'ai un gros coup de cœur pour la marque Kylie Cosmetics et particulièrement sa collection de Noël qui est partie en 5 minutes top chrono sur le site internet. Comme d'habitude, toutes ces collections sont out of stock en 5 minutes, mais celle de Noël, ça a été une véritable tuerie. Donc voilà. Du coup, c'est vrai que... Il y a pas mal de kits qui me plairaient beaucoup de sa collection, je sais pas si elle va restock ou pas, il me semble qu'elle va restock les palettes bientôt mais je ne suis pas sûre, on sait pas trop, mais c'est vrai que sa collection me tente énormément, elle a fait deux kits de rouge à lèvres, donc il n'y a pas que du matte, c'est ça qui me plaît beaucoup également, je crois qu'il y a un gloss, il y a un velvet, il y a un matte, je sais plus trop, puis les palettes sont juste sublimes, enfin sa collection de Noël et les collections de Noël de make-up en général, il y a toujours un truc en plus. Des coffrets, des packaging, des trucs et c'est trop cool. Et pour terminer, la collection Winter Wanderlust de Sephora qui est juste magnifique, qui est cocooning, qui a vraiment l'allure et le packaging des fêtes et du soin. On a vraiment envie de prendre soin de soi. Donc il y a aussi des trucs comme une petite chaufferette de poche où il faut casser une petite capsule de métal et du coup ça va chauffer instantanément, donc c'est hyper pratique pour l'hiver, on est d'accord. Il y a la mousse douche cocooning, c'est comme j'avais quand j'étais petite, c'est une mousse comme une mousse à raser mais pour le corps, pour se laver, et ça c'est juste un bonheur pour se laver avec, j'adore. Le lavant pour les mains, même le petit masque en renard pour se cacher les yeux quand on a envie de dormir et qu'il y a de la lumière. Franchement la collection entière est trop mimi et donne vraiment envie, et ça je pense que même dans les idées cadeaux on peut la rajouter parce que c'est vraiment une tuerie cette collection. Sephora l'année dernière j'avais beaucoup aimé, mais alors cette année, pour moi c'est vraiment un sans faute sur cette collection et je l'aime beaucoup et tout me tente dans cette collection. Et donc voilà les amis pour cette wishlist de Noël, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous inspirer pour vous ou pour vos proches. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. S'il vous plaît, si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas à nous partager en commentaire votre wishlist. Pourquoi pas, s'il y a de super bonnes idées pour inspirer tout le monde, j'épinglerai votre commentaire, ça pourrait être vraiment cool. Ça pourrait, croyez-moi, vraiment m'inspirer moi déjà, puis tout le monde de la communauté, de la beauty femme, ça pourrait vraiment tous nous aider. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous !